Bonjour à tous. Buon tarde. Good evening, everybody. Vous êtes avec nous en visioconférence sur notre chaîne YouTube AVIDN, après Varon International Documentary Network, et sur notre page Facebook. From your sofa, you are with us from different parts of the world. Welcome. Our festival, International Documentary Film Festival Après Varan, is a platform of exchange and collaboration. C'est notre sixième édition. Chaque année, nous avons programmé une vingtaine de films en présence de leur auteur. Chaque année, plus de 60 heures de discussion autour de cinéma documentaire, que vous trouverez tous sur notre blog aprèsvaran.org. Aussi, durant les six dernières années, nous avons organisé des débats professionnels sur le droit d'auteur, sur le rapport auteur-producteur, auteur-distributeur, dans la belle maison de droit d'auteur à la SCAM. Chaque année, nos projections et nos débats nous ont permis de tisser nos liens. Tous nos débats sont en ligne. Nous souhaitons continuer dans le même esprit convivial et encore plus international dans les années à venir et aider le cinéma documentaire de trouver sa vraie place. It's our sixth edition. Each year, we have programmed more than 60 hours of screening and debate. And we are all recorded all the debates and they are on our site. Each year, we have programmed more than 60 hours of screening and they are all online. Each year we have organized the round table between filmmaker and producer, filmmaker and distributor at the SCAM, at this beautiful house that defend a right of the author. Each year we did more networking and we hope that in the coming years, we can play more important role and help each other to find the right place in the international documentary stage. Cette année, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la sixième édition du festival a lieu online. Pour participer au festival, aux quatre projections et deux débats, vous trouverez tous les liens sur le site aprèsvaran.org. This year, due to the sanitary conditions related to the COVID-19 pandemic, the sixth edition of the festival takes place online. In this particular and difficult context, let's consolidate our links. Let's stay connected. Let's continue to bring the world of documentary cinema to life. Dans ce contexte particulier et difficile, consolidons nos liens, restons connectés, continuons à faire vivre notre monde du cinéma documentaire. Malgré les difficultés que vous connaissez, et pour y faire face, le Festival Après Varan Online est une solution nouvelle qui nous permet de nous réunir quoi qu'il arrive. Je précise que le déroulement de ce festival en direct et online ne pouvait pas exister sans la collaboration internationale de nos partenaires. Je remercie particulièrement Aonorte et Daniel Massial qui réalisent la diffusion technique de nos programmes durant les quatre prochains jours. Merci aussi à Alexandre Campos du Festival ethnographique de Para. Merci à Renato Attias du Festival international du film ethnographique du Récif. Merci au comité de sélection des films. Et merci à l'équipe de la communication et l'organisation du festival. Sur notre blog Après Varan, vous trouverez les pages consacrées à chacun de nos partenaires et collaborateurs et vous allez voir dans leurs pages leur création cinématographique. Je remercie tout particulièrement les ateliers Varan, Fondation Jean Rouch, Filmfestival.com, Aonorte, Cinédoc de Tbilissi, Festival de Para, Festival international du film d'ethnographique du Récif, DHL et Scriptline Distribution, France Télévisions Movie, les films de Tambour de Soie, Shellac et Alindi Production, blog documentaire,
Tank, Videadoc et particulièrement notre partenaire depuis la création du festival depuis 2014, la Maison des auteurs de l'ESCAM. Je passe la parole à Madame Jocelyne Rouge, la présidente de la Fondation Jean Rouge, pour l'ouverture du festival. And then we will have the pleasure to listen to our key speakers, Carlos Eduardo Viena, José da Silva Ribeiro de Ao Norte, that will be translated by Beatriz Rodovalo, directeur de cinéma et co-président de l'association Notre Brésil. Merci.